sur notre chaîne YouTube, sur notre site Internet, ainsi que sur notre page Facebook bonlocataire.com, toujours au pluriel. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer un magnifique grand 4,5. Donc, vous allez voir qu'il est vraiment impeccable. Il vient d'être refait au complet. On est au deuxième étage. Les propriétaires occupent le rez-de-chaussée. Donc, on est dans le quartier Hanseck, pas loin du collège Hanseck. Vous allez avoir le métro Crémadie, pas loin d'ici. Le métro Sauvé aussi. Donc, on est très bien géolocalisé. Alors, n'oubliez pas que c'est une vidéo 360 degrés. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vous cliquez avec votre souris sur l'écran, vous bougez à gauche et à droite, en haut, en bas, et puis vous allez avoir accès à toute cette belle propriété. Donc, vous allez voir les plafonds, les planchers, les garde-robes, les chambres. On met la caméra presque partout pour vous donner un meilleur avant-goût. Lorsque vous allez venir en visite, bien, vous allez confirmer que ce logement est encore plus beau et plus grand. Alors, sans plus tarder, on commence cette vidéo 360. Pour connaître le prix, très important comme d'habitude, connaître le prix, la date d'occupation, les inclusions, la consommation d'Hydro-Québec, bien, je vous conseille fortement de cliquer sous cette vidéo. Et puis à ce moment-là, vous allez cliquer sur le lien. Vous allez avoir un lien Internet qui vous amènera sur notre site bonlocataire.com. Et vous allez avoir les photos, la description, la date d'occupation, plusieurs réponses comme d'habitude à vos questions. Sinon, contactez-nous, il me fera un grand plaisir d'y répondre. Alors, sans plus tarder, immédiatement, comme je vous ai dit tantôt, on est au deuxième étage. La porte d'entrée du logement, donc c'est des escaliers intérieurs, ce qui veut dire pour l'hiver, c'est encore mieux, hein, donc vous n'avez pas d'escalier à déneiger, puis c'est encore plus sécuritaire. La porte d'entrée principale ici, dès que vous entrez, vous allez avoir un très grand espace à air ouvert, donc vous allez avoir immédiatement la belle grande cuisine. Donc encore une fois, moi j'aime ça les appartements qui sont très accueillants. Dès que vous entrez, vous avez l'effet « wow, c'est beau, c'est impeccable ». Vous avez des très beaux planchers en bois franc. Donc vous avez de l'espace amplement pour mettre une belle grande table à manger. Donc juste ici, donc la cuisine à air ouverte, et puis vous avez ici un grand îlot comptoir en même temps, donc qui vous permettra aussi de mettre des tabourets si vous voulez vous faire un petit coin repas déjeuner. Alors si vous avez remarqué aussi, c'est que ici vous allez avoir des radiateurs à l'eau chaude. Donc si vous tournez la caméra vers le bas où ce que je pointe actuellement, donc c'est les anciens radiateurs, donc sont à l'eau chaude, mais c'est la consommation d'énergie, ça va être à l'électricité. Donc je vais vous dire, le système de chauffage à l'eau chaude est beaucoup plus agréable que tout simplement des plaintes électriques normales. Alors ici, derrière cette porte, vous allez avoir immédiatement un coin garde-manger. Ce que la propriétaire nous a mentionné tantôt, c'est qu'il y aura des étagères, des tablettes pour entreposer ce que vous avez de besoin. Alors immédiatement, regardez-moi ici, le îlot, vous avez ici, sous l'îlot, vous avez l'espace pour mettre votre micro-ondes, des très grands tiroirs ici, les voici, vous en avez 4-5 tiroirs, beaucoup de comptoirs, espace pour votre cuisinière, réfrigérateur, le réfrigérateur, bravo, je vais vous dire honnêtement, l'espace en hauteur est très très haut, donc à ce moment-là, vous avez l'espace idéal pour un grand réfrigérateur. Très important par contre de prendre la bonne largeur pour être sûr certain qu'il entrera, parce que vous avez la cuisinière, le réfrigérateur, un à côté de l'autre. Vous avez la ventilation, encore une fois comptoir, les fenêtres, vous avez ici encore des armoires de cuisine, un grand comptoir, grand lavabo, et vous avez ici immédiatement en bas où je vous pointe actuellement, vous avez l'entrée pour le lave-vaisselle. Très important, laveuse, sécheuse, c'est des électroménagers superposés. Donc à ce moment-là, un par-dessus l'autre. Très important, lorsque vous allez venir en visite, d'apporter votre ruban à mesurer pour avoir la bonne largeur. Alors voilà, donc ça c'est pour la cuisine. Je pense que je ne vous ai pas montré ici le garde-robe d'entrée pour mettre les manteaux. Juste ici, les bottes, quand même assez grand. Un petit miroir. Je vous montre à l'instant immédiatement le grand salon. Donc le salon, si vous avez des grands meubles, aucun problème, ça pourra entrer facilement.
Bon, c'est vraiment dommage qu'aujourd'hui, c'est une journée grise. Donc, c'est une journée d'automne. Pour ceux qui n'ont jamais vu l'automne au Québec, mais voyez-vous qu'est-ce que ça a de l'air. Donc, l'hiver s'en vient bientôt. Donc, vous allez avoir vraiment un magnifique balcon ici qui donne vue sur la rue à l'avant de l'immeuble. Alors, voilà. Donc, vous avez ici un très beau grand salon. Donc, je vous dirais que normalement, le matin, c'est très lumineux. Cette pièce-ci, surtout le salon et la chambre que je vais vous montrer à l'instant. Ou tout de suite après, je pense qu'on va commencer maintenant, c'est mieux, par la salle de bain. Puis par la suite, je vous réserve les chambres à coucher. Alors, la salle de bain, bref, je pense qu'avec la caméra 360, vous êtes capable de tout visualiser. Je n'ai pas besoin de dire ou d'exagérer, comme on dit dans mes mots. Donc, vous avez vraiment une magnifique grande baignoire assez longue, assez profonde, de la belle céramique jusqu'au plafond, la douche en même temps. Vous allez avoir ici votre lavabo. Vous avez ici la pharmacie, la toilette quand même assez grande, prise électrique, et vous avez ici de l'espace pour mettre vos serviettes, produits nettoyants, etc. pour la salle de bain. Alors, si vous avez remarqué, vous avez une impeccable céramique, donc c'est vraiment impeccable salle de bain. Alors, je vous montre tout de suite la première chambre à coucher. Les chambres à coucher, les deux chambres à coucher sont quasi similaires. Donc, je vous dirais qu'à ce moment-là, si vous avez un lit king, ce qu'il y a de plus grand, ça pourra entrer facilement. Vous avez des grandes fenêtres qui fait entrer pas mal de lumière durant toute la journée. Vous avez votre garde-robe ici. Le voici. Et je vous montre à l'instant la deuxième chambre à coucher. Comme je vous ai dit, c'est deux chambres quasi similaires. Alors, encore une fois, si vous avez un grand lit, aucun problème. Et cette chambre-ci, elle donne face à l'ouest, ce qui veut dire que toute l'après-midi, vous allez avoir beaucoup de soleil toute l'après-midi. Encore une fois, cette chambre, vous allez avoir un garde-robe. Donc, chacune des chambres à coucher, vous avez de l'espace de garde-robe. Alors, je vais vous montrer maintenant le balcon, la corde à linge, un petit coin rangement. Si vous avez un véhicule, vous pouvez mettre tout simplement juste ici où ce que je pointe avec mon doigt, ma main droite plutôt. Donc, vous allez avoir ici un espace de rangement, un petit balcon, et vous avez votre corde à linge que vous voyez à l'instant. Alors, voilà, donc on a fait un tour de cette propriété de façon virtuelle, 360 degrés. J'espère que vous avez apprécié. Alors, par contre, si vous connaissez de bons locataires qui cherchent de beaux appartements à Montréal, au Québec, moi, je vous conseille fortement de partager immédiatement cette vidéo 360 degrés. Et puis, tout simplement, contactez-nous. Ça va me faire un grand plaisir de vous le montrer en personne. Vous allez voir, encore une fois, lorsque vous voyez nos vidéos 360, quand vous venez en personne, c'est encore plus beau et tout simplement plus grand aussi. Alors, merci beaucoup. Surtout, n'oublie pas de t'abonner encore une fois sur notre chaîne YouTube. Active la clochette pour recevoir les alertes, les notifications des prochains beaux appartements que nous aurons seulement ici chez bonlocataire.com. Alors, merci et au plaisir. Bonne journée.